Bonjour mes jolies, alors aujourd'hui je viens avec une vidéo de mes favoris du mois d'avril. J'ai pas fait souvent de favoris parce que bon simplement parce que j'ai pas pensé. J'en ai fait je crois une fois au mois de septembre dernier, enfin voilà. Je viens aujourd'hui avec mes favoris. Par contre, désolée, excusez-moi pour la voix et pour mon nez rouge parce que je suis malade. Voilà, je suis en plein antibiotiques, etc., etc. Bref, je vais pas m'étaler sur ma vie. Voilà, hein. La preuve, je traîne avec mon mouchoir. Donc, je viens quand même vous faire mes vidéos. Oui. Alors, je commence par mes favoris douche, on va dire. C'est ceci, c'est le shampoing, donc Mane & Tail de chez iHerbs, sur le site iHerbs. Donc c'est un shampoing très 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 hydratant, hydratant intensif pour les cheveux très abîmés, secs et très abîmés. Et franchement, je suis vraiment pas déçue, que ce soit sur la qualité, que ce soit sur le résultat que j'ai sur mes cheveux, et que ce soit donc au niveau aussi de l'odeur, de tout quoi. Donc franchement, sachant que moi ma fille elle a les cheveux vraiment ondulés et très frisés. Ça lui convient parfaitement bien et ça me convient tout aussi bien à moi. Donc celui-ci, c'est le Mane & Tail donc de chez Straight Arrow. Alors voilà pour le shampoing. Ensuite je passe au masque et ce masque là je vous l'avais déjà présenté, c'est le masque de chez Leonard Grail, donc celui-ci, donc à base d'orchidée, masque à l'orchidée pour cheveux frisés. Donc je l'ai pris à la base pour cheveux frisés, je me suis dit que j'avais besoin vraiment d'un soin hyper costaud parce que là mes pointes étaient quand même un peu sèches et du coup bah ça va à ma fille et à moi, sachant que ma fille n'a pas du tout la même qualité de cheveux que moi, a pris la qualité des cheveux de son père et vu que son père est un marocain du sud assez mat, il a les cheveux très très drus et donc puis elle a les cheveux vraiment ondulés et secs et ça lui convient parfaitement bien. Donc pour les mamans qui ont des enfants qui ont les cheveux secs, si vous voulez vraiment un soin intensif pour vos cheveux, c'est un masque qui n'est pas donné, c'est vrai. Mais sachant que je l'ai acheté il y a quand même un bout de temps, il m'en reste quand même encore pour faire aller peut-être encore deux utilisations. Voilà. Je vous mettrai aussi le nom, comme ça vous irez donc chez Sephora, je l'ai eu. Voilà. Ensuite, pour ce qui est soin après douche. Pour ma fille surtout, donc franchement je viens aujourd'hui avec les soins pour famille parce que ça lui convient et ça me convient tout aussi bien aussi. Donc c'est le baume oriental argan karité à la fleur d'oranger et vous savez combien j'aime les soins orientaux. Donc celui-ci est de chez Alepia et quoi vous dire, c'est un soin cocooning, un soin... il est top ce baume. Elle a la peau vraiment sèche, elle a la peau plus mate que moi, donc la peau très sèche et ça lui convient parfaitement, ça lui rend la peau hyper souple. Pareil pour moi et je m'en tartine de partout. Donc le baume de chez Alepia, le Argan Karité. Voilà, tant qu'on est dans les baumes, je vais vous présenter aussi le baume de chez Le Couvent des Minimes, le baume pour les lèvres. C'est vrai que c'est le printemps, c'est vrai que bon ben c'est pas comme si on était en hiver, mais moi les baumes pour les lèvres c'est toute l'année, même s'ils sont hyper riches. Celui-ci alors c'est le baume miel et karité, donc c'est le baume sourire. Il est vraiment, c'est un soin vraiment intensif pour les lèvres très sèches. Donc à savoir que vous pouvez le poser le soir pour faire on va dire un masque lèvres, oui, pour que vos lèvres soient pas ni sèches, ni gercées, etc. Donc c'est la solution. Donc il coûte dans les environ 10 euros. Voilà, vous en mettez pas beaucoup non plus, hein, c'est vraiment une petite lichette sur le bout du doigt et à mettre, voilà, ça marche parfaitement bien. Moi je l'adore, franchement. Il ressemble un peu au baume de chez Nux, un peu dans le packaging, sachant que Nux il y a du miel, mais je sais pas ce qu'il y a d'autre dans celui de Nux. C'est à peu près le même principe. Voilà pour le baume.
Ensuite, moi, ce que je fais en sortant de ma douche, et ça, c'est toujours, et c'est devenu donc un rituel, on va dire un rituel pour moi. Donc, je pense que vous la trouverez souvent dans mes favoris. C'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Et voilà, et envers et contre tout, hein, parce que l'Irak a sorti une huile. Alors tout le monde, depuis que Nuxe a sorti cette huile-là, tout le monde sort des huiles, des huiles prodigieuses, des huiles élixir, je sais pas quoi. Mais je reste attachée à cette huile-là. Moi, je l'ai découverte en travaillant en parapharmacie. J'ai surtout eu un coup de cœur pour la marque Nuxe. En commençant à travailler en para parce que j'aime bien leur concept et puis j'aime bien leurs produits tout court. Donc l'huile prodigieuse de chez Nuxe, c'est une huile sèche multifonction. Je vous en avais déjà parlé. Je vous en avais même fait gagner une dans un concours, une scintillante, je crois. J'en ai une aussi avec plein de paillettes et pour l'été, ça c'est super. Donc celle-ci, huile sèche multifonction visage, corps, cheveux, vous avez des huiles végétales à l'intérieur, donc 6 huiles végétales, de la vitamine E, etc. etc. Pour vous dire, moi je sors de la douche, je m'en mets sur les cheveux, j'ai les cheveux qui sont hyper souples, mes boucles sont, comment dire ça, sont séparées l'une de l'autre en fait, ça fait vraiment des jolies boucles sur les cheveux. Je mets ça sur mes cheveux mouillés. Je vaporise, donc c'est un vapeau. Je vaporise ça sur mes cheveux mouillés et bon, franchement, top, 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 top. Je vous la conseille très, très fortement. Et c'est pour toute la famille, alors pour le papa, pour les enfants. Et franchement, allez vous la procurer. Je suis sûre que vous en passerez plus. Voilà, donc voilà pour les soins. Ensuite, vite fait, bon, ça, je vous en avais déjà parlé, c'est le démaquillant Clean de chez Carrefour, de la marque Carrefour, de la marque Les Cosmétiques. Et celui-ci, pareil, depuis que je l'ai acheté, depuis que j'ai trouvé que ça marchait pour moi, je m'en sépare plus. C'est mon démaquillant favori pour les yeux. Voilà, je paye pas des dizaines ou des quinzaines d'euros pour me démaquiller les yeux. Vraiment, voilà, juste ça me suffit très amplement. Et ensuite, voilà la crème que j'ai eue à Londres. Et celle-ci, c'est la Catch a Wrinkle in Time. Donc, attraper votre ride à temps. Donc, c'est une crème de jour hydratante anti-rides. Et celle-ci est de chez donc, Soap and Glory Skincare. Donc, voilà, c'est des produits bon, qu'on ne trouve pas en France, mais j'essaierai de vous mettre un lien si vous voulez. Et je la trouve super. C'est celle que j'utilise en ce moment. Et donc, elle fait partie de mes favoris du mois d'avril. Voilà, on passe au maquillage. Et au maquillage, pareil, vous allez retrouver des produits. Je vous ai déjà montré quelques produits. Et pour le maquillage, donc déjà, ma BB crème de chez Mixa. BB crème unifiante anti-rougeur, fleur d'arnica, cold cream, etc., etc. Pour peau sensible et réactive. J'ai pas la peau sensible et réactive, mais j'ai trouvé qu'elle était super contre les rougeurs. Sachant que moi, en ce moment, j'ai plein de petits problèmes d'acné. Donc, elle me convient super. Elle me convient parfaitement, elle me convient super, non? Elle me convient parfaitement. Voilà. Donc la crème, la bébé crème de chez Mixa. Ensuite, du site iHerbs. Je vous les avais déjà présenté. Le blush ici de chez Physicienne Formula et le trio donc de correcteurs, pareil de chez Physicienne Formula. Franchement, cette marque-là, elle propose de super produits et franchement, j'ai fait mon highlighting et mon contouring aujourd'hui avec et c'est trop trop top. Je crois que je vais voilà je ça va être un de mes nouveaux produits favoris. Donc celui-ci, donc la couleur jaune pour faire votre highlighting ici. Vous avez ici l'anti-cerne. Donc franchement il est excellent cet anti-cerne, hyper camouflant. Et vous avez donc votre autre highlighter, on va dire. Donc celui-ci est un correcteur plutôt. Et celui-ci quand même est un vrai highlighter parce qu'il y a des petites particules brillantes à l'intérieur. Et il est légèrement rosé. Et il donne franchement un effet. Excusez-moi les filles, hein, je suis fatiguée. un effet frais en fait au niveau des joues. Donc voilà le trio donc Physicienne Formula. Donc le blush de chez Physicienne Formula, celui-ci. Je vous montre de plus près comment il est. Il est hyper joli. Donc vous avez donc un highlighter en fait ici, les highlighters avec votre côté blush ici avec le rose. Voilà. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui.
Enfin, si on voit bien la vidéo. Enfin, voilà. Ensuite, je reviens sur les brillants à lèvres que j'ai toujours dans mon sac. À force de les laisser dans mon sac traîner, les écritures se sont barrées, sont parties. C'est les baumes lèvres de chez Kiko, de la gamme Lavish Oriental. Donc je sais plus, c'était une édition limitée, donc je crois pas qu'ils en ont encore, mais en tout cas ils continuent, je pense, à faire quelques produits comme ça. Et franchement, au niveau de la qualité des brillants à lèvres, je les aime trop. Là je l'ai mis au dessus d'un rouge à lèvres de chez Téléclair pour l'éclaircir un tout petit peu, lui donner un peu de brillance, et j'ai mis celui-ci. Alors attendez, parce que comme je les utilise souvent, donc ils arrivent à avoir comme une sale tête. Donc voilà, et ils assouplissent vos lèvres, ils vous donnent un brillant, franchement, que j'aime trop. Facilité d'application, je les aime. On dirait qu'on se met du bonbon sur les lèvres, tellement que c'est joli, que l'effet rendu est super. Et celui-ci est le orangé, comme ceci. Alors tellement qu'il traîne dans mon sac, je sais plus, il n'y a plus rien écrit. Écoutez, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc voilà, de chez Kiko, les deux brillants à lèvres qui sont toujours avec moi. Voilà. Et donc en maquillage, je vous présente encore deux dernières choses. Youp, voilà. Alors le couple pour les sourcils qu'en ce moment j'utilise, on va dire, c'est ce duo-là, on va dire. Le crayon sourcil numéro 20 châtain de chez Lancôme. Depuis que je l'ai acheté, je m'en passe plus, c'est top. Donc en 20 châtain pour moi, sachant que je suis quand même assez foncée des sourcils, il me convient super. Et la trouvaille, pour celles qui savent plus comment dompter leurs sourcils, je vous ai trouvé une cire. Donc il y a une fille aussi, il n'y a pas longtemps, qui m'a demandé donc une astuce pour bien faire tenir ses sourcils qui étaient très fournis, donc pour bien les lisser, on va dire. Et je lui ai parlé d'une cire, elle m'a dit non, mais je ne veux pas les épiler. Je lui ai dit non, c'est pas une cire à épilation, c'est une cire comme la cire des cheveux, vous savez, la cire qu'on met pour plaquer les cheveux. Eh bien c'est la même chose, et celle-ci est de chez Smashbox. C'est la Brow Tech Wax. Vous aurez compris, c'est pour faire tenir vos sourcils comme il faut. Donc une fois que je maquille mes sourcils, moi, avec le crayon, je viens avec mon goupillon, en fait, ici, la brosse de ce côté-là. Je prends un peu de cire, en fait, sur le goupillon, comme ceci. Et je viens donc vraiment brosser mon sourcil avec, pour le faire tenir en place. Et je lisse avec le doigt. Donc c'est comme si vous mettiez en fait une pommade, c'est pas du gel, c'est rien, c'est vraiment comme une pommade pour faire tenir en place votre sourcil. Et moi j'ai un petit souci, c'est qu'à la fin de mes sourcils, j'ai toujours 2-3 poils qui remontent sur le côté. Et donc voilà, ça me convient hyper parfaitement. Voilà les belles pour les favoris du mois d'avril, j'espère qu'ils vous plaisent. Moi en tout cas, je vous donne mon avis franchement très personnel, et voilà un avis vrai, parce que je les utilise tout le temps. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé dans vos choix. Je vous fais de gros bisous, continuez à vous abonner, c'est gratuit, c'est rapide. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, et je vous fais de gros bisous, au revoir.